T'as tout là, Romain? T'as tout ce qu'il te faut? La dorsale, le kawé. Il me faut les protections. Les protections. Les avant-bras. L'effort en lui-même me fait pas peur parce que j'ai toujours fait du sport et là il y a quand même une assistance électrique que je peux doser en fonction du relief et puis en fonction de mon état de fatigue. Donc, okay. L'extrême loup, vous la faisiez avant? Non, justement, il a fallu que je me retrouve dans cette situation-là pour la faire. Victime d'un chauffard en mai 2020, Romaric Daval n'a pas retrouvé l'usage de ses jambes depuis son accident de la route. Coma, hospitalisation, près d'un an de rééducation et la découverte du VTT adapté. Pour réaliser ce premier défi sportif de sa nouvelle vie, il est accompagné de ses amis. On est 8, on reste les 8 pendant les 36 km. Quoi. Et les 8 ont dit ok, on vient. Ah oui, c'est l'occasion de reprendre. 1, 2, 3. Pas de chrono, juste l'envie d'aller jusqu'au bout, boucler le parcours. Le moment est savouré, immortalisé même. Ah, mais pas les journalistes. Je sais qu'il est volontaire, je sais que même s'il va garder peut-être des séquelles importantes, il va pouvoir quand même prendre du plaisir à certains moments dans certaines activités, notamment celle-là. Quoi. Ça devait pas monter autant, si? Des gens en fauteuil, il n'y en a pas tant que ça. Puis des gens en fauteuil qui sont entre guillemets assez motivés et puis attirés par ce genre d'épreuves, voilà, il y en a encore moins. Donc si ça peut élever chez certains des envies de vivre ça, je le recommande fortement. Ça plane sur l'extrême loup. Au grand complet et après plus de 5 heures d'efforts, l'équipe franchit la ligne. C'était beau, c'était long, c'était dur, mais c'était génial. Physiquement et mentalement, c'est éprouvant parce qu'il y a plein de départs, plein de passages techniques que je ne peux pas faire tout seul. Je suis ému en fait parce que Romaric, il y a un an et demi, on n'imaginait pas du tout être là aujourd'hui. Voilà, donc merci Romain. Romain, on t'aime. Et à l'année prochaine, ouais, bien sûr. Non, fabuleux.